Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes quelques produits soins des mains, donc vernis et make-up que j'ai acquéri du coup jusque là chez Joli Moi. Donc voilà, je vais vous montrer quelques produits que j'ai du coup en make-up de chez Joli Moi. Donc j'ai beaucoup de la marque MAC, voilà. Mais je pense que je vais pas mal agrandir ma collection. Enfin, je vais essayer de agrandir ma collection. Parce que voilà, après je me dis que niveau maquillage, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je pense que je vais agrandir ma collection parce que pour vous montrer tout simplement d'autres produits. Et il y a des produits bio. Donc chez Joli Moi. Donc par exemple des gloss bio. Voilà. Donc c'est pour ça. Parce que comparé à ma collection soins, make-up, enfin soins du visage, des cheveux, etc. Il y en a beaucoup plus, vous voyez. Donc voilà. Donc normalement, au mois d'octobre, il y a de la nouveauté. Donc je vous ferai un haul nouveauté. Donc voilà. Donc là, ce sera un unboxing. Du coup, que de la marque, que du make-up en fait. Tout ce que j'ai en make-up de chez Joli Moi, de ce que nous vendons chez Joli Moi. Je ne vous mettrai pas les prix. Ou alors, je pourrais vous donner les prix de deux palettes différentes que j'ai, mais c'est tout. Tout simplement parce que je préfère que vous veniez me demander en privé sur Instagram, donc mon Instagram qui est MélanieTetel6, et je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon site internet, donc de chez Joli Moi. Donc comme d'habitude, il y aura toujours un questionnaire au début pour s'inscrire, et ensuite vous aurez accès à tous nos produits bio naturels, donc maquillage. Il y a du maquillage et il y a des soins visage, corps, cheveux. En fait, il y a un peu de tout. Il y a même des brosses, des parfums. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler juste de mes produits make-up que j'ai moi acquéri moi pour l'instant. Donc, on va parler d'ongles. Donc, de vernis à ongles de la marque Maliatic. Donc cette marque-ci que je n'arrive jamais à dire, je vais vous montrer. Donc la marque celle-ci, donc Nalimatic, voilà cette marque-ci. Donc moi j'ai trois couleurs différentes, donc toujours avec ce petit M ou W que nous avons toujours. Ensuite vous avez ces trois, ah voilà, ça se voit que j'ai le rond de lumière parce que tout à l'heure j'ai fait un live sur ma page qui est sur Facebook, qui est beauté et bien-être. Donc n'hésitez pas à y aller aussi. Voilà, je fais plusieurs lives. Donc du coup, je vous montre plusieurs produits que j'ai. Parfois, je fais des tests aussi. Je vais essayer de faire plus de tests sur ma page. Parce qu'en général, je fais ça sur mon Facebook. Mais je vais plus aller sur ma page. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai acquéri ces trois teintes-ci différentes. Donc franchement, elles sont toutes les trois jolies. Alors je pense que je garderai ces deux-là. Et celle-ci, je pense, pourquoi pas la mettre un jour en cadeau. Voilà, faire un petit cadeau. Parce que, bien évidemment, pour ce mois de septembre, j'offre un cadeau, enfin, un tirage au sort pour tout achat. Donc, dès qu'il y a un achat de fait, je note. Et si vous êtes plusieurs à avoir passé des commandes, je vous offre un cadeau. Je vous offre un cadeau, tout simplement, surprise. Donc, voilà, ça peut être un vernis, ça peut être... je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être n'importe quel produit que je vous offre gratuitement. Du coup, que dès que vous passez une commande, en fait, vous avez un petit ticket à mon concours. Donc voilà. En ce moment, il y a aussi une loterie à 2 euros le numéro. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé sur Instagram. Les tickets sont mis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Donc voilà pour les trois couleurs, ils sont très bien. Le nouveau que j'ai acquéri, c'est celui-ci. Donc que vous avez bien pu voir sur dans mes docs. Voilà, vous avez déjà vu sur YouTube passé. Voilà. Donc l'embout est comme ceci, c'est un embout normal. Hein, bien évidemment, c'est un embout normal. C'est Made in France. Donc au niveau des teintes, donc j'ai le... j'ai le Mona, donc celui-ci c'est le Mona. Le rouge, beaucoup plus foncé que celui-ci, enfin beaucoup plus clair plutôt. Lui c'est le Dita, donc voilà, celui-là. J'adore quand ils ont les étiquettes comme ça, je trouve ça trop trop joli.
Et ensuite, on a le Grasse, qui est celui-ci, qui est beaucoup plus foncé et que quand vous mettez sur vos ongles, est beaucoup moins foncé. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait, avec les trois couleurs-là, je trouve que ça fait un beau dégradé ou même sur les ongles, ça peut être sympa. Vous voyez, même si c'est trois couleurs différentes, je pense que sur les ongles, ça peut être sympa. Ou au moins, ces deux-là peuvent être sympas ou que ces deux-là. Donc, que ces deux-là, ça peut être sympa aussi. Enfin, bref. Après, c'est à vous de voir, hein. Soit vous mettez plusieurs couleurs, soit vous mettez une seule couleur. Donc, voilà. Donc, c'est pur color. Voilà. Donc, il y a un petit packaging avec. Jusqu'à 84% biosourcé. Zéro compromis sur tenue. Le vernis pur color est formulé à la base de matériel première d'origine naturelle et renouvelable, coton, maïs, pommes de terre, blé et manioc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sympa à avoir comme petite information. Donc voilà. Donc ça, ce sont des vernis bio, des vernis 100%, enfin, peut-être pas 100%, 84%, au moins 84% bio. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour ceci, donc voilà, tenue hein, comme tous les autres vernis, hein, une bonne semaine, peut-être voire plus. Après, ça dépend ce que vous faites. Une semaine si vous faites de la vaisselle, mais plus d'une semaine si vous faites pas de vaisselle ou enfin voilà, c'est comme des vernis classiques. Voilà pour ça. Ensuite, autre marque, la marque MAC, c'est le sourcil. Donc, la marque, c'est le sourcil. Voilà, donc c'est pour les sourcils. C'est bien dit, hein, c'est pour les sourcils. Donc c'est un tout petit mascara comme ceci pour les sourcils en fait. Et il n'y a pas de couleur, donc avec un petit goupillon comme ceci, il n'y a pas de couleur. Lui, il est très bien. J'adore, moi j'utilise tout le temps, il est trop trop bien. Vous l'avez déjà pu le voir dans dans certaines vidéos que j'ai fait, vidéo make-up. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, on a du côté de la marque MAC, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup, j'en ai pas une tonne, mais j'ai plus de MAC que d'autres marques. Donc voilà, d'ailleurs, il y a une marque de gloss qui est bio. J'aimerais bien essayer de la tester. Donc, je verrai bien un de ces quatre. Je pense peut-être pas au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre. Je prendrai fin octobre, je prendrai ce gloss-là, je pense. Je verrai bien. Alors. Donc le bout est comme ceci. Donc ça c'est le mascara noir 3D de chez MAC. Voilà, donc là il est en petit format. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en petit format, on peut bien tester le produit parce que ça dure quand même assez longtemps. Et je l'ai en grand format, comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, que je l'ai eu en grand format. Et chez Joli Moi, nous le vendons aussi en grand format. Full 16, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc du coup moi là j'ai les deux. C'est les deux mêmes mascara 3D noir. Donc plutôt sympa. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa si vous voulez tester le mascara. Pour pas mettre trop de sous, testez le petit mascara. Parce que du coup c'est bien. C'est exactement la même brosse. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la même brosse. Donc c'est plutôt sympa. Donc moi j'aime beaucoup. Donc à tester avec le petit. Je trouve ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Voilà, ensuite on a le rouge à lèvres MAC, donc le Ruby Woo. Donc c'est dommage, en ce moment maintenant on a le masque. Donc c'est juste pour la maison maintenant les rouges à lèvres. Donc le format classique, enfin le packaging classique. Et la couleur est comme ceci, elle est juste magnifique. Franchement avec le rond de lumière ça rentre super bien. Donc voilà, donc ceux-là ils sont à 20 euros, je connais le prix donc je peux vous le donner. Donc 20 euros pour un rouge à lèvres, c'est plutôt sympa, sachant qu'il dure très longtemps. Donc plutôt bien. Ensuite, on a un fond de teint poudre de chez MAC, toujours. Là, on a le NC20. Donc c'est ma teinte. Bien évidemment, j'ai pris ma teinte. Peut-être que plus tard, j'aurai d'autres teintes. Parce que j'ai une de mes copines, ça fait un certain temps qu'elle est là chez Joli Moi. Et elle a quand même pas mal de teintes. Donc c'est plutôt pas mal pour faire tester à ses clientes. Donc moi, pour l'instant, j'ai que le NC20. Voilà. Donc avec le petit truc en dessous. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc voilà, plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup avec un petit miroir.
Il est très bien, j'ai déjà testé, il est très très bien. Il poudre. Par contre, je pense que la prochaine fois, je prendrai une teinte un petit peu plus foncée parce que ça, c'est plutôt ma teinte d'été et non ma teinte d'hiver. Donc ma teinte d'hiver, voilà, je prendrai peut-être celle de un petit peu plus foncée, pourquoi pas. Mais sinon, il est très bien. Quand vous n'avez pas le temps le matin, ça c'est pratique pour le matin parce que quand vous n'avez pas le temps, paf, vous mettez ça, paf, fond de teint poudre, nickel, hop. Il n'y a pas besoin de poudrer derrière, vous mettez juste ça et c'est bon et ça tient toute la journée, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, donc là c'est le NC20 de chez MAC. Ensuite on a une poudre libre, toujours de chez MAC, une poudre blanche fixante. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que la poudre elle est restée en haut, mais c'est une poudre blanche classique qui fixe le correcteur. Donc c'est un correcteur, donc en fait ça va. Moi je les mets souvent après le concealer en dessous des yeux. Donc plutôt bien. Je suis en train de regarder, voilà, c'est un correcteur, voilà, tout simplement blanc comme ceci. C'est poudre correctrice, c'est marqué. Donc voilà. Moi, en général, je mets ça sous les yeux, tout simplement sous les yeux. Après le correcteur. Et ensuite, pour terminer. Deux palettes de chez MAC, toujours. Donc, les deux palettes, je connais les prix. Donc, là, celle à 12 fards, c'est 45 euros. Et celle à 9 fards, c'est 30 euros. Certes, c'est un coût. Voilà, c'est un coût, hein, on le sait tous. Mais sauf que moi, j'ai trouvé que. Donc, moi, déjà, d'une, celle-ci, je l'avais prise dans mon kit. Et je trouve que les fards sont sublimes. Ça tient super bien. Ça tient vraiment toute la journée. C'est plutôt bien, assez cool là, vous voyez toutes les couleurs avec le rond de lumière, franchement j'adore. Et en fait c'est plutôt bien, ça tient très bien toute la journée. Donc franchement mettre 45 euros dans la palette de chez MAC c'est plutôt bien parce que moi je trouve que ça tient bien. Donc voilà, donc ça je l'ai eu dans mon kit que j'ai eu, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça je suis très contente et du coup vu que je suis très contente de cette palette-ci, et bah je me suis pris une petite palette de chez MAC à 30 euros, donc avec 9 fards. Donc par contre la différence de taille c'est énorme quoi, mais bon voilà, on va pas faire les difficiles hein. Donc voilà, donc celui-ci par contre il est à 30 euros, voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà testé hein. J'ai déjà testé, je sais même pas si j'ai fait un test avec vous sur YouTube. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Ou sinon, je vous ferai un petit test si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des tests sur YouTube pour vous montrer comment c'est. J'essaierai de vous faire des petites vidéos. Donc, celle-ci, elle est plutôt sympa. Elle est toute simple. Moi, je pensais qu'elle allait être plus rouge que ça. Mais en fait, c'est un petit peu dans les tons marronnés. Marronnés, rose, marron, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, je sais très bien que je vais en reprendre d'autres, ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai ça. Donc, je compte agrandir ma collection de chez MAC, du coup, parce que pour l'instant, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 produits de chez MAC, donc 7 produits différents. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour commencer la collection, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Mais sachez que je réagrandirai donc, ma collection, donc forcément. Pas que du MAC parce qu'on n'a pas que de la collection MAC sur Joli Moi, on a d'autres produits dont des produits bio au niveau lèvres, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et je laisserai mon lien de Joli Moi pour que vous puissiez aller sur mon lien et regarder bien évidemment si les produits vous intéressent, de regarder de vous inscrire tout simplement et de pourquoi pas prendre une commande, sachant qu'au mois de septembre, vous avez un petit ticket pour un cadeau surprise, donc c'est plutôt pas mal. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez un cadeau, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et sachez que chez Joli Moi, nous recrutons. Voilà. En ce moment, c'est 68 euros le kit et vous avez 150 euros de produits que vous choisissez vous pour démarrer chez Joli Moi. Voilà, petite info supplémentaire. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires et à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!